Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 9e épisode de mon guide pour bien débuter à Factorio. Allez, on est reparti, on recharge la partie du guide. Et donc voilà, la dernière fois je vous avais laissé en pleine action pour aller se diriger vers la recherche pile, enfin battery, qui nous permettra de créer des fournitures de recherche numéro 3. D'ailleurs on pourrait regarder, je pense que dans cet épisode on va commencer à voir comment on crée des fournitures de recherche numéro 3. Il va nous falloir des bras robotisés intelligents, des plaques d'acier, des circuits avancés et des batteries. Bon, bah allons-y. Alors les plaques d'acier, ça va pas être bien compliqué, il va falloir qu'on fasse une production automatique. Bon, jusque là, ok. Ça devrait aller. Tiens d'ailleurs, on va changer, on va remettre du fuel ici. Ça devrait aller bien. Donc, ce qu'on va faire. Est-ce qu'on peut pas faire des... Ah, des steel furnace. Bon, évidemment. Il va falloir que j'aille chercher des briques. Voilà, 53, ça va très bien. C'est bon. Donc, je pense qu'on va commencer à faire une production d'acier automatique. On va la faire... Alors, attendez, ici, il y en a combien? 122. Je pensais qu'il y en aurait plus que ça. Faut croire que non. Bon. De toute façon, ça a l'air de bien aller. Bon. Alors, donc, je pense qu'on va la faire ici. On va la faire ici. Comment je vais l'approvisionner? Est-ce que je l'approvisionne avec le charbon? Ah non, vous savez quoi? On va la mettre... Ouais, je sais. Je sais comment on va faire. Alors. Il va m'en falloir plusieurs. Est-ce que j'ai d'autres steel furnace? Je pense qu'on va en faire deux. On va commencer par deux. Ça devrait aller... Ah tiens, la recherche est terminée, on va se diriger vers la recherche des piles. C'est parti. Alors, donc j'ai mes steel furnace qui sont là. On va se mettre par ici. Ouais. Ouais. C'est un peu compliqué là parce que du coup on est un peu serré. On est un peu serré. Ah ouais, je sais. Hop, ça va être un peu bizarre, vous allez voir. Yep. Yep. Donc là, on va continuer cette route. Tapis roulant. D'ailleurs, j'ai plus d'acier du tout. Enfin, de fer du tout. Hop, on va récupérer ça. On va en faire quelques-uns. Et oh, on fait un peu plus. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, ici, il y a un problème, comme vous pouvez le voir. Ça passe pas au bon endroit. Du coup... On va faire un truc qui va un peu tout couper. Yep. Hop, on remet en route. Évidemment, je suis légèrement trop loin. Du coup... Ah ouais, non, ici, ça va pas aller. Hop. On va enlever celui-là. Là, ça devrait aller. On va mettre un petit bond, là. Comme ça, un truc un petit peu bizarre. Et vous allez vite comprendre. On enlève celui-là. Et on est ici, voilà, c'est juste un petit espace pour mettre le bras robotisé ici. D'ailleurs il m'en faut de nouveau. Hop, on va en demander 5. Évidemment j'ai plus de tapis roulant, non, ah si j'en ai encore. Tapis roulant. Hop. Et hop, on avait fait celui-là. On met le bras. Et là-haut on en met aussi. Voilà. Ça c'est bon. Donc par contre, là, reste les bras de sortie. Les bras de sortie, on va demander un tapis souterrain. On va mettre un ici. Un. Là, on va mettre un tapis ici. Un tapis souterrain là, hop. On va mettre un bras de sortie ici. Hop. Qui se dirige sur un tapis comme ça. Il n'y a pas d'électricité. Qu'à cela ne tienne. Quelques tapis roulants. Un bras robotisé normal. Et un coffre au bout de tout ça. On va mettre à peu près au même niveau. Voilà. Ça, c'est bon. Du coup, nous avons notre production de fer automatique. Évidemment, je suis légèrement trop loin. Excusez-moi. Alors, les poteaux électriques arrivent. Ils sont là. Ça y est, c'est parti. Donc là, notre production avance. Niveau électricité, ça tient le coup? Ah, j'ai plus de...
J'ai plus de fuel là-bas. J'ai plus de fuel, on va vite le mettre. Parce que là, ça craint un peu. Allez, c'est parti. Toi, t'es relancé. Ça devrait largement aller. D'ailleurs, on va refaire le plein. En carbone. Histoire d'être tranquille. Voilà. Là, ça devrait aller. De toute façon, on en a plein, plein, plein. C'est super génial. Tiens, d'ailleurs, les batteries sont bientôt finies. Ça va vite. C'est plutôt cool. Alors, on refait le plein en pierre. Ça, c'est bon. De ce côté-là. Alors, on a quand même un surplus de fer qui arrive. Hein? Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de tout taxer niveau fer avec tout ça. Ouais, ça suffit carrément pas, quoi. On voit bien ici, là, ça prend, mais à mort. Vraiment. Alors, les batteries, c'est fait. Les batteries, c'est fait. Je vais avoir besoin de logistique qui permet de faire des tapis roulants plus rapides, ainsi que se diriger vers les recherches automobiles qui sont très, très utiles. Alors là, par contre, ça craint. C'est un peu craignos. Parce que là, je regarde le nombre de plaques de fer qu'il est en train de me bouffer. C'est assez impressionnant, quoi. Attendez, je crois que j'ai relancé logistique 2. Ouais, non, c'est bon, il faut bien du vert et du rouge. Normalement, ça devrait largement aller. Ouais, vous voyez, il y a plein de potions. C'est nickel. Bon, donc du coup, là, on a notre production de fer, d'acier qui est lancée. C'est plutôt cool. Par contre, on a clairement, mais clairement, un manque de fer à la sortie qui est affreux. Donc, je pense qu'on va s'en faire un petit peu. Vous allez voir. On va faire la même chose ici. On va demander... Je pense qu'on va faire de nouveau. Je vais demander des bras robotisés et des tapis roulants. Allez, ça arrive. On va prendre un peu d'espace. Toc. Et toc. Et on va continuer de ce côté-là. Les bras robotisés, ils arrivent. Hop. Là, on fait rentrer. On fait une sortie, on fait une sortie, on fait une entrée. Évidemment, il m'en faut encore et j'ai plus assez de fer. Voilà. Hop, là on mettra des bras robotisés, des tapis souterrains. Là on en mettra un aussi. On va couper l'électricité ici. On va la remettre juste après parce que là sinon je vais me faire engueuler. Alors là ça va pas non plus. Je vais le mettre comme ça. Comme ça. Pas ici, je vais décaler d'un cran. Hop. On met l'entrée. Évidemment, il m'en manque un tout petit poil. Hop, là c'est bon. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Voilà, on va changer ce bras robotisé long par un bras... Oups, c'était pas ça que je voulais faire. Ah, faut que j'aille chercher du fer. Ça c'est impératif. Hop. On va prendre des bras robotisés. Deux tapis souterrains. Allez, vite, parce que là, ça s'engorge. Vite, vite, vite. Alors, on va lancer celle-là de production. Hein. On va faire passer par-dessous, ici. Hop, et par-dessous, ici. Et hop. Ah ben non, il en faut encore un troisième. Ouais, j'ai plus de tapis roulant non plus. C'est craignos. Hop. Et hop, voilà, ça y est, c'est parti. Donc là, on en a rajouté deux, ce qui est plutôt pas mal. Alors par contre, niveau ressources, est-ce que ça tient le coup? Ouais, non, ça tient pas vraiment le coup, là. Ça tient pas vraiment le coup. On va rajouter une foreuse et on va mettre un bras robotisé rapide. Allez, la foreuse arrive. On va la mettre un petit peu par là. À bientôt plus avoir de place. Hop, c'est parti. Et donc là, on change, on met un rapide. Ça va aller beaucoup mieux. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Par contre, là, on peut plus du tout passer. Ah bah, ça va vite. Hein. Logistique 2, c'est fait. Par contre, logistique 3, il faut des potions vertes. Qu'est-ce que je peux faire? Un truc qui va assez vite. L'automobile, qui est très sympa. Surtout qu'on a les engine. L'automobile, chemin de fer qui peut être très 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 utile mais assez compliqué à mettre en œuvre. Alors je pense qu'on va faire la robotique, l'effet de transmission,
Je pense qu'on va faire l'automobile d'abord. On va commencer par l'automobile. C'est parti. Ah, vous voyez tous les fours qu'on a là, c'est absolument incroyable. On a même qu'il y a engorgement ici. Du coup, vous savez quoi? On va se faire des tapis roulants rapides. Par contre, on n'aura jamais assez de fer. Ça coûte super cher en fer. Hop. Alors, combien on peut en faire? Surtout, c'est un exemplaire du tapis roulant rapide, quoi. Mais ça va clairement plus vite. Du coup, je pense qu'on peut le mettre à partir d'ici. Oups. Alors, les tapis roulants rapides arrivent. Wow. Je me suis trompé de sens. Alors là, ça va bien mieux. Il y a des engorgements. Hop. Voilà, nickel. Là, ça avance mieux, là, ça avance mieux. Alors, où est-ce que je peux en mettre, du coup? Je peux en mettre par ici, hein. On va être d'accord. Là, ici, c'est plutôt cool quand ça va plus vite vers les recherches. Qui, d'ailleurs, fonctionne très très bien, c'est nickel. Ok, là, c'est bon. Donc, on a dit, la production de fer est lancée. Les potions bleues nécessitent des... Enfin, d'acier, pardon. Alors, les potions bleues nécessitent une plaque d'acier. Ok, c'est bon. Ensuite, les circuits avancés, les batteries et les bras robotisés intelligents. Alors, les batteries, ça nécessite d'être fait... tiens, c'est fait dans le... Dans les chemical plants. C'est bien ça, ouais. Donc, ça va être fait là-dedans. Et que nécessitent les batteries? Un acide sulfurique qui est fait à partir de ça. Ouais, donc là... Qui nécessite du soufre et de l'eau. Ah oui, donc là, en fait, il va falloir faire venir de l'eau. Et le soufre, il nécessite de l'eau aussi. Et du gaz pétrolifère, donc là, ça. Alors là, ça va être un peu compliqué, ça va prendre bien tout l'épisode. Faire lipide, ça va être assez compliqué. Il va nous falloir plusieurs chemical plants. Si je compte bien, il en faut 1, 2, 3. C'est ça, il en faut 3. 3 chemical plants. Ok, c'est parti. Nécessite 20 plaques de fer, 5 barres d'acier. Les barres d'acier, on va se réapprovisionner dans cette sortie-là. 37, c'est pas mal. Là, il y en a combien? 104. Bouh! C'est énorme. Là, ça augmente. 92. C'est pas mal. Niveau fer, c'est bon. Alors là, c'est bon aussi. Quoique, non, ça arrive pas jusqu'au bout. Hein. J'ai toujours pas assez de foreuses. Incroyable, quoi. Bon, elles sont pas positionnées du tout correctement. D'ailleurs, on va les changer. Vous allez voir, on va essayer de faire ça un petit peu plus... Un petit peu plus productif. Alors, hop, pousse-toi. Hop, on change. Voilà. Donc là, c'est mieux. On a gagné une place. Et là, pourquoi toi, tu fonctionnes pas? Non, je vais t'enlever toi. Ah, d'accord. Ouais, je t'ai posé, mais en fait, tu sers absolument à rien parce qu'il manquait un bout de tapis roulant, quoi. Oh la loose quoi. Allez c'est parti. Là normalement vous avez largement de quoi faire avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, 10 foreuses électriques si t'as pas assez de fer pour ça, là t'es... Je sais pas ce que tu veux. Hein. Donc, le fer, est-ce que j'en ai pris? Bah du coup j'en ai que 51. On va récupérer un peu plus. Voilà. Bah tiens, pile, 3 chemical plants. Il va falloir qu'on approvisionne avec de l'eau. Il va falloir qu'on aille chercher une pompe du coup. Prendre une pompe. Voilà. Et on va avoir besoin de tuyaux. Beaucoup de tuyaux. Alors c'est un peu long les chemical plants. Mais bon. Alors, ce qui va se passer. Si on remonte pour les piles, il faut une plaque de fer. Ok, c'est pas compliqué. Une plaque de cuivre. Ok, c'est pas compliqué. Et du sulfurique acide. Et c'est fait dans le chemical plant. L'acide sulfurique. C'est fait à l'aide de plaques de fer. Ça, on peut l'approvisionner de soufre et d'eau. L'eau, on peut l'approvisionner à partir de la pompe. Donc ça ira bien. Et le soufre, il faut le faire pareil dans du chemical plant à l'aide d'eau. On peut l'approvisionner facilement. Et de... Comment ça s'appelle? Petroleum gas, qui est une des sorties de la raffinerie. Donc c'est pas compliqué. On va commencer par le gas pétroleum, enfin le petroleum gas, qu'au lieu de faire venir par ici,
Hop, hop. Hop, on va enlever ça. On va faire venir. On va faire venir par ici plutôt. Donc là, on va faire du soufre. Gaz pétrolifère. 20 tuyaux. C'est parti. Hop, là par contre, je suis dessus. Voilà. Donc le gaz pétrolifère arrive. Il faut de l'eau. L'eau arrive. Attends, hop. Ça c'est bon. Il va falloir qu'on la fasse monter d'ailleurs. C'est par le haut. Je vais chercher du fer parce que là j'en ai plus du tout. Ouais, clairement le fer toujours qui est limitant. Ah là, par contre ça, on voit que ça remonte. On voit que ça remonte bien. Tous les fours travaillent à fond. Ah voilà, ça c'est bon. Ça c'est comme ça que j'aime travailler. Des tuyaux, il va falloir, je pense, des tuyaux souterrains. On va prendre deux. Les tuyaux souterrains, c'est le même principe que les tapis roulants souterrains. Ça passe par en dessous, sur une courte distance. Alors, ils sont où mes tuyaux? Ah bah évidemment, ça coûte des tuyaux. Ça coûtait, et puis tous les tuyaux que j'ai demandé. C'est pas de bol. J'en veux plus des tuyaux. Voilà. Ah évidemment, j'en ai pas assez. Hop. Donc ici, d'ailleurs, il va falloir qu'on relie à l'électricité. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Mais je t'ai relié à l'électricité. Ah non, je t'ai pas relié à l'électricité. Je suis pile trop loin, quoi. Allez, c'est parti. Donc là, ça y est, le soufre est fait. Pas compliqué, hein. À partir d'ici. Il va sortir. Sous forme quoi d'ailleurs? Est-ce qu'il sort sous forme? Non, il sort sous forme solide. Je crois. On va se placer de l'autre côté. Oups, par contre là, c'est le bordel. Ah bah ça va être compliqué avec tous ces tuyaux de passer. C'est un peu plus compliqué. Donc il sort sous forme solide. Il sort sous forme solide et il faut qu'on la. Ah oh, bah tiens, l'automobile c'est terminé. On va lancer le chemin de fer. Voilà. L'acide sulfurique ici, ça nécessite de l'eau et du soufre. Le tout fait dans un chemical plant. Alors le chemical plant. On va le faire pas très loin. Hein. Hop. Acide sulfurique, de l'eau, du soufre. Alors le soufre, c'est pas compliqué. D'ailleurs, on pourrait les coller en fait. Est-ce qu'on pourrait les coller? Ça, c'est la grande question. Ah ouais, je pense qu'on pourrait les coller. Vous allez voir. Si on se met comme ça, qu'on l'alimente en énergie d'ailleurs, qu'on demande de l'acide sulfurique, voilà. Ah oui, donc ça sort bien de. Comme ça sort un liquide, c'est bien comme ça. Hop, là on fait rentrer l'eau. Et là, on fait sortir l'acide sulfurique qu'on va amener un petit peu plus loin. Parce que là, on va faire des batteries qui passent aussi là-dedans. Un chemical plant. Des batteries. Donc l'acide sulfurique arrive. Hop, on le relie à l'électricité. Normalement. Ah ben non, il manque les plaques de fer. Faudra faire venir des plaques de fer ici. Ici, il faudra faire venir des plaques de cuivre et des plaques de fer. Et à partir de là, on aura. D'ailleurs, faut que je mette dans mon sens. Et à partir de là, on aura tout ce qu'il faut. Ouais, bon, par contre là. Ok, d'accord. Là ça va. Donc il va falloir que je fasse venir du fer à partir d'ici. Ouais, il va falloir que je fasse venir du fer. Ah c'est bon, 192. Donc il va falloir que je fasse venir du fer. Ça va être long. Ça va être un peu long. Je pense qu'on va le faire venir à l'aide de tapis roulants, comme d'habitude. Il va falloir des tapis souterrains. Je vais aller récupérer un peu de fer de plus. Des tapis roulants. Alors, un bras normal, parce qu'il faut pas non plus déconner, j'ai pas besoin d'énormément de choses. Hop, on fait passer par ici. Voilà. Je regarde. Ah bah tiens, c'est la fin de l'épisode. Donc ça sera un épisode en deux parties concernant les piles. Et de toute façon, les potions bleues en général, parce que c'est assez compliqué. Après, il nous restera le circuit avancé, qui nécessite des barres de plastique. C'est pas trop compliqué à faire, vous allez voir. Circuit électronique et des câbles de cuivre, donc ça va. Oui, ça fait 20 minutes.
Et la batterie, on l'a presque fini. Ah oui, il restera le bras robotisé intelligent qui, lui, est quand même assez compliqué. Ce qui nécessite un bras robotisé rapide, des circuits électroniques. Le bras robotisé rapide nécessite un bras robotisé, des plaques de fer, des circuits électroniques. Et le bras robotisé rapide nécessite des... le bras robotisé tout court nécessite des plaques de fer, un engrenage en fer, des circuits électroniques. Du coup, je pense qu'on va devoir taper dans la deuxième, dans une autre source de fer existante sur la carte. Ce qui me permettra d'ailleurs d'introduire le chemin de fer, je pense, avec tout ça. Alors, non, c'est dans le sens. Ah mais non, j'étais bon en fait. On va le faire venir par là. Hop. Hop, hop. Voilà, je fais un petit peu ça avant de couper la fin de l'épisode. Je vais essayer de au moins acheminer. Évidemment j'ai pas mis dans mon sens. Au moins acheminer le fer. Hop. Bop. Là ça va pas. Ah, pousse-toi. Ah bah dis donc, j'en ai pas assez du tout. On va prendre des tapis roulants. Hein. Allez, je vous quitte dès que j'ai fini d'acheminer tout le fer. Évidemment, ça a du mal à arriver. Voilà. Il faudra que j'achemine aussi sur le même circuit, je pense. Le cuivre. Hop, on remonte, on arrive. Ah, je suis bête, il va falloir qu'on fasse passer par ici. Hop. Hop, et là on remonte. Là, il faut remonter. Donc ici, on met une entrée de fer. Et là, une entrée de fer aussi. D'ailleurs, il manque un dernier petit rail. Et voilà. C'est parti. Donc là, on peut faire de l'acide sulfurique. Hein. Et là, il manquera plus qu'à acheminer les plaques de cuivre, ce qu'on fera dans le prochain épisode. Ok, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis à la prochaine, salut à tous !